Welcome tout le monde, c'est Exodus pour un nouveau tuto Spotacross Tomahawk sur la map prise sur Black Ops 3. Donc pour le premier spot de CA, faudra vous caler derrière ce petit tonneau comme à l'écran et viser bah, comme c'est indiqué à l'écran. Alors vous pouvez toujours viser un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, ça vous chante. C'est vraiment comme vous voulez. Vous allez voir que le Tomahawk rentre. Alors le Tomahawk il atterrit à un endroit plutôt fréquenté en début de partie, à côté du drapeau A, voilà. Et pour le deuxième spot, c'est à peu près pareil, il atterrit à côté du drapeau C. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire tomber tout pile sur le drapeau. Et puis enfin, si à un moment j'ai réussi, mais bon, je crois que ça collait pas tellement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira. J'en profite pour remercier les chaînes commentaires qui m'uploadent si elles m'uploaderont, hein, s'il y en a qui m'uploadent, voilà. Et puis voilà, je remercie également Fizinezia qui est en ma compagnie et qui m'a aidé à faire ce spot sur Riz. J'ai un petit peu galéré, mais ça va. Après, Riz, c'est pas vraiment la map que je préfère en termes de DLC ou de map de Black Ops 3, donc voilà. Deuxième spot, de A à C, vous visez aligné avec le drapeau C, espèce de barre en métal qu'on voit sur le bâtiment, et vous visez un petit peu le coin du nuage comme vous voyez à l'écran. C'est vraiment pas compliqué, vous pouvez toujours tirer un petit peu plus devant, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. C'est comme je dis, hein, c'est pas vraiment au millimètre près, vous pouvez toujours tout petit peu chipoter. Bon, par contre, vous décalez pas non plus votre viseur d'un ou deux centimètres, parce que sinon là c'est sûr que ça va pas rentrer, mais bon, voilà. Comme vous voyez, ça rentre, ça passe vraiment à côté du drapeau, dans cette toute petite espèce d'allée, on va dire, qui est vraiment très fréquente en début de partie. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Proposez-moi une map pour le prochain épisode. C'était The Exécutor. Allez, bye les gens!